Hey les gens, c'est Viperus et on se retrouve sur le deuxième épisode des Millions to Pay. Et vous savez quoi? Je suis plutôt fort. Hein. J'ai regardé, je suis plutôt fort parce qu'on est quand même déjà à la troisième heure du jeu. Et du coup, moi je me dis, il y en a, ils y sont pas arrivés jusque là. Du coup, si j'y suis arrivé, peut-être que j'ai un don finalement pour les jeux d'horreur. Je ne sais pas. Et écoutez, faut se remettre en question des fois. Ou alors je suis une grosse merde, c'est juste que c'est hyper simple. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me suis jamais pris le scribeur du clown dans ma face. Donc c'est cool. Donc là c'est la troisième heure, c'est pas la deuxième, c'est ni la première, là c'est la troisième heure. Oh putain j'ai peur. Bref c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, je vais faire ça avec pour vous. Du coup pour la troisième heure, ça va être chose qu'il va y avoir un nouveau monstre, un nouveau... Bah ça va être le pantin il me semble. Hein. Ah non pas ce pantin, je sais même pas ce qu'il fait. Donc là faut pas bouger, hein. Hey, c'est easy, on connaît. Imaginez je bouge. Donc là il y a toujours Sun Cloud, ça c'est toujours pas changé. Est-ce qu'il y a des trucs qui changent, honnêtement? Où est-ce qu'on revient là-dedans? Ça, c'était le pantin. Le pantin, je ne sais pas comment faire. Putain, vous savez à qui il me fait penser? Honnêtement, il me fait penser au pantin dans Goosebumps, dans Chair de poule. Moi, je me suis curéné. Oui. Bien entendu, ça, c'est vraiment pour les connaisseurs, vraiment pour les anciens même, parce que c'est quand même une série qu'on y a eu. Une show série très ancienne, hein, c'est... Chair de poule, c'est pas flippant, je peux vous dire, mais c'est vrai que ça donne quand même des frissons, on peut le dire quand même. J'aurais dû pas rentrer là-dedans, je sais pas pourquoi, mais j'aurais dû pas dû. Et tu vas fermer ça direct après, hein. Y'a rien à l'intérieur, y'a quoi? Écoutez, honnêtement, si je me cache ici, je sais pas ce qu'il y a, et vous imaginez? Alors là, c'était facile, là. Non, je voulais vous dire que je me suis fait un film dans ma tête. Vous imaginez? Ça me fait penser à plein de trucs que j'ai regardé dans ma vie. Vous imaginez? Genre, je suis caché à l'intérieur d'une armoire et tout. Mais, là, le mec que t'as envie d'échapper, il est justement à l'intérieur de l'armoire avec toi. Et du coup, alors ça, ce serait badon, ça. Si c'est pas toi qui es dans cette situation, bah, ça va, tu peux, honnêtement, c'est drôle. Honnêtement, tu tapes des barres. Ah oui. C'est notre fameuse chambre. Avec le blue screen. Oh merde, je sais pas comment faire avec ça, là. Alors là, je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire avec le pantin. Ce qui paraît avec lui, c'est aléatoire. Genre en fait, comme il te court dessus, il faut juste courir. Ou alors se cacher. Ah oui, il faut juste se cacher, en fait. Donc l'endroit où on était tout à l'heure, on aurait pu se cacher, et puis du coup, mais je sais pas. Con. Désolé, j'ai bougé sans faire exprès, je voulais pas bouger, je pensais que... Bah si, je voulais bouger, mais je pensais qu'il était parti, merde. On va le fuir ce pantin. Ce pantin qui d'ailleurs c'est un petit peu un plagieur, parce que le mec il vient dans les Millions to Pay, alors qu'à la base on lui a rien demandé, il devrait rester dans Chair de poule, wesh. Donc là on va se cacher là, ouais. C'est quoi? Non, on est bien honnêtement ici, hein, mais il faut se cacher ici. Ah mais non. C'est inadmissible. Attends, je me suis caché. La porte s'est ouverte toute seule. Ou alors c'est lui qui l'a ouverte. Non, merde. Putain, mais il a l'œil de lynx. Bah, lynx. Ouais, cette fois-ci, je bouge pas comme la dernière fois. Là, c'est bon, là. Oui, c'est bon. Oh, j'ai eu peur. Parce que là, quand même, oh putain. Quand tu te prends le screamer la première fois, après, tu sais pas ce qui va se passer, hein. T'as peur. Merde. Oh putain. Non. Bon. Faut que je trouve une technique. Donc c'est là qu'il y a le pantin, c'est ça? Mais putain, mais c'était ça! Mais il fallait fermer la porte à chaque fois! Mais je le sais. Enfin, je crois que c'est ça. Allez, c'est parti! C'est chiant parce que quand tu bouges plus, t'as l'impression que t'es constipé. Le clown, il te constipe. Donc là, le pantin, il est là, ça y est, je crois. Normalement, il fait des signaux. Hein. Enfin, il fait du bruit. Oh, c'est le clown, ça va. En vrai, c'est stressant de rester dans cette salle. Je suis sûr qu'on peut passer cette heure sans rien faire. Merde. Est-ce que je sens un truc quand même? Mais il est toujours là. Ouais. Alors là, on fait exactement. Non. Mais j'étais bien. Jusqu'alors, quand tu viens là. Tu me casses les couilles. J'étais tranquille avec le clown là, posé en train de lui... Bon, en fait je faisais rien avec lui, mais en tout cas j'étais bien avec lui. Et tu me presses le cœur comme ça. J'ai envie d'aller à la chambre. Là. Merde.
Ah mais... J'aurais des lunettes, j'arriverai plus facilement. Mais quoi? Attends, vous savez quoi? Je regardais une vidéo. Parce que je peux pas le faire sinon. J'ai aucune technique avec ce pantin, moi. Merde! Mais non. Putain, mais c'est ça de regarder celui, c'est que après en plus j'ai même pas trouvé ce que c'était. Cette fois-ci on va quand même réussir. Enfin, je sais pas, mais y a pas de technique, hein. J'ai regardé plein de vidéos, genre j'ai regardé Seros, enfin vite fait, Seros, le Blade Art, Karal, enfin plein d'autres. Mais y a pas de technique réellement pour le pantin. Le pantin, à chaque fois, ils se la prennent tous dans la gueule. Alors, pour l'instant c'est que le clown, donc ça va. C'est pas si pire que ça, c'est pas si pire que ça. J'ai réussi à... Oh putain! Cache-toi là-dedans. J'ai réussi? Mais non! Le bon temps, j'ai réussi à l'esquiver! Merde. J'ai réussi à l'esquiver! Mais je vois plus rien! Ah non mais je suis trop bon là! Je sais pas comment je fais là. Je suis un surhumain mec. Mais c'est un truc de fou. Oh mon dieu, comment je fais avec le pantin en fait. En fait, je crois qu'il faut juste marcher, il faut juste courir. C'est juste ça, il y a juste ça. Faut juste pas courir au mauvais endroit quoi, c'est ça. Regardez par exemple là, regardez. Mais c'est simple. Mais c'est trop simple. Il est carrément à l'intérieur. Et s'il y a le pantin, je suis dans la merde. C'est bon, il y a le pantin. Il y a le pantin. Il y a... Plus le pantin. Et là, je suis pas sûr. Ah, mais je suis trop bon, je suis trop fort. Oh mon dieu. C'est un truc de fou, ne meurs pas, ne meurs surtout pas. D'accord. Ah, ça a changé, ça, par contre. Hein. C'était pas comme ça avant. Il y a des nouveaux trucs qui se rajoutent, ce qui est totalement normal. Pareil, ça, c'était pas là. Oh mon dieu, il y a Emily. Faut pas aller sur elle. Comme par hasard. Je ne sais pas. Ouais, écoutez, on va se casser, hein. Parce que moi j'aime pas trop traîner ici. On a vu Emily, Un peu stressant tout ça, hein. Ça commence à devenir très stressant même. Merde. Casse-toi. Casse-toi. Ne reviens plus jamais ici, je t'ai dit. Merde. Je crois qu'il faut juste changer de pièce au fait, hein. Oh, j'ai flippé. Ah, il faut juste changer de pièce, au fait, hein. D'accord, j'ai compris la technique. Oh, il fait trop chaud. Je suis super content. On est à 4h du matin. Yes! On est même pas à 4h du matin, on est à 3h du matin. D'accord, on est même pas... D'accord, en fait, la première heure, c'était minuit, quoi, d'accord. Voilà, c'était le remix, le remix gratuit de Emily Wants to Play. J'espère que ça vous a plu. Au calme. Bye. Putain, t'es pas sérieux là? Non mais attends, j'en ai marre là, c'est chiant. Non, la marionnette, tu peux pas ne pas l'esquiver si t'as pas les lumières allumées. Sinon, pour ça il faudra peut-être que j'ai la lampe torche. Mais... je vous assure que je peux réussir cette heure sans avoir la lampe torche. C'est pour ça que je la ferai plus tard. Eh, je vais bien flipper en vrai hein, quand je vais voir Emily. Non putain, ça va être dur. Mais je vais le faire pour vous, rien que pour vous, ne vous inquiétez pas. Ah ouais, mais t'attends pas toi. Toi t'es pressé toi, ça se voit que t'es pressé. Ça se voit que t'as un carnaval qui t'attend toi. Merde. Oh. Arrête de te fermer comme ça. Ok, je t'avais demandé la porte. Je sais qu'il y a du courant d'air, mais... Merde. Oh, nickel. C'est nickel, ça.
Je savais, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi je savais que le clown allait arriver. Parce que bon, ça fait longtemps qu'il m'a pas vu. Du coup, il fallait qu'il me rende visite. On est un peu confident entre nous, c'est vrai, c'est vrai. Bon, tu en as que je déteste. Genre la marionnette. Le pantin, lui, c'est le mec sans amis. Il fait que de me voir. Il est chiant, il court tout le temps. Je lui ai déjà dit, c'est un hyperactif, ce mec. Et après, parce qu'il y a de la marionnette, j'ai pas encore vu. La marionnette. La marionnette. Oui, je te parle bien à toi, la marionnette. Oh, la marionnette. Oui. Putain, mais tu pourrais dire bonjour quand même. Oh. Pas poli ça. C'est quand même bizarre quand je parle de la marionnette, elle arrive quoi. Mais bon, c'est pas grave. Du moment qu'on arrive à la voir. Enfin, du moment qu'on la voit plutôt. Parce que oui, déjà qu'on arrive, parce que bon, moi c'est un peu. J'ai des problèmes de vue, moi je pense. Hein. Je tourne en rond, tourne dans le vide. Et je tourne plus dans le rond, parce que sinon je vais me prendre par le clown. J'ai failli bouger. J'ai bougé. Mais là, heureusement, il a pas vu. On va aller casse-toi un peu. Merde, merde. Rentre à l'intérieur. Ouh. Merde. Oh, la chance. Allez. Merde. Putain, mais c'est dur, là. Hein. Ça devient dur. Merde. Enfin, faut pas rentrer dedans, alors. Ferme ça tout de suite. Ferme ça tout de suite. Il va forcément y avoir Emily, hein, enfin, la marionnette à un moment. Je suis sûr. Enfin, j'espère, en fait. Oh, si c'est le coup, ça va. Ah, il me voit souvent, lui, hein. On est comme des frères, maintenant. Je vous le dis. Eh ouais. Ok, ça marche. On est près du but, là. On est bientôt fini. Non, honnêtement, pour la lampe torche, finalement, je passerai dans une prochaine vidéo. Hein. En tout cas, ça veut dire que ce sera sûr qu'il y aura un 3e épisode. Ah, ça, je vous le garantis. J'aime tellement ce jeu. Bah voilà, c'est bon, on a fini. Bon, bah en tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez, comme d'habitude, me rejoindre sur ma page Facebook pour savoir quand est-ce que je mets une nouvelle vidéo. Sur ma page Twitter pour discuter avec moi. @thierry.vipavus, comme d'habitude. Partagez cette vidéo à votre bel entourage. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis, ciao, ciao.